Messieurs, dames, bonsoir. Et qu'est-ce que vous faites avec une voiture de l'Espidi? Et qu'est-ce que tu fais avec ta bouche à poser des questions? T'as un problème? Moretti, moi. Non, j'ai aucun c'est problème. Possible, ouais. Mais... Me tutoie, Jeannette. Bon, je ramène la voiture à l'Espidi. Je viens de me dire vous ce que tu m'as dit, tu viens de me parler. Ouais, bref. Vous me voulez quelque chose? Rien du tout. Mais c'est qui, c'est là? Que tu arrêtes de poser des questions. Et pourquoi je n'ai pas le droit de poser des questions? C'est qui? Tu la connais, cousin? C'est pas vos affaires, déjà, pour commencer. C'est oh, bon. Pourquoi vous appelez les flics, Moretti? Ça va, j'allais rien vous faire. La voiture de l'Espidi que vous venez de voler ou... Non, rien volé, sinon elle serait là. Rien volé, sinon elle sera là. Par contre, là, vous allez faire très attention parce que la diffamation, j'aime pas ça du tout. Les fausses accusations, j'aime pas. Est-ce que je dois te représenter, cousin? Non, ça va pas être la peine. Elle va juste prendre un 5 francs, comme tu dis, dans sa petite bouche. Ouais, bah, dis-lui de garder sa bouche bien dans sa poche. Alors, qui est cette personne fort bavarde et à l'œil vif? Mais vous me connaissez très bien, voyons, monsieur Moretti. Non, vous êtes qui? Ah bah, à votre avis. Vous me posez la question à chaque fois que vous me voyez. C'est vous, celle qui travaille... C'est la fille que vous avez à toucher. Ah ouais, venez, on va parler des minutes. Non, Moretti, t'es pas censé approcher elle. Si, venez, on va parler des minutes, faut que je vous donne quelque chose. Bah, tu veux pas venir m'aider au cas où il essaye de faire des trucs, parce que j'ai pas... Non, vous inquiétez pas, on va... Tant que vous gardez la main dans le pantalon. Pas de problème. Vous allez jusqu'où là? On est bien là. Là, on est bien. On va garder une certaine distance pour pas qu'il y ait histoire de je te touchais, je t'ai pas touché. Non, mais c'est bon. Non, hop là, oula. Moi, ah, je mais préfère si toi vous plus me touchez, vous inquiétez pas. Vous non, non, je touche rien du tout. Voilà, allez, là, c'est bien. Parlez-moi les minutes cool. Ouais, alors dites-moi, votre plainte, vous l'avez levée ou pas? Non, toujours pas. Très bien. Vu la façon dont vous me parlez, je pense pas que j'ai envie de la retirer là. Ouais, mais en fait, je vais vous expliquer 2-3 choses rapidement. Donc vous avez déposé plainte pour harcèlement sexuel qui s'est passé et moral. Où excusez-moi. Harcèlement sexuel et moral. Alors, un harcèlement moral, ça se passe dans la durée, je vous informe. Juste vite fait les choses. Ça se passe dans une durée. Il faut qu'il y ait une durée pour un harcèlement moral. Ensuite, vous allez non, me ressortir qui dit harcèlement, la dernière fois quand même, non? Attendez, laissez-moi parler, soyez poli, jeune fille. Je vous explique rapidement les choses. Juste pour vous dire que votre plainte, elle est ridicule, après vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que si votre plainte, elle n'est pas recevable, ça veut dire que c'est de la diffamation. Si c'est de la diffamation, je vais vous mettre en string. Donc réfléchissez bien, je vous redis les choses. Quand il y a harcèlement, ça veut dire que les choses sont faites avec répétition. Comment en une seule soirée, j'ai pu vous harceler? Donc déjà, c'est ridicule. Ensuite, vous me dites qu'il y a eu, que je vous ai tripoté compagnie. Vous venez dans un club spécialisé en lap dance qui pratique. Laissez-moi finir, je vous explique. Ah, mais vous parlez trop, pour rien. Non, je ne parle pas trop pour rien dire. Laisse-moi finir, je t'explique, jeune fille. Tu viens dans un club privé spécialisé en lap dance où toutes les filles sont à poil ou courtement vêtues de façon sexy comme tu l'es là en ce moment et qui pratique des prestations sexuelles tarifées avec des hôtesses. Tu es la seule femme de toute la soirée et tu penses vraiment que tu vas arriver à faire passer le harcèlement? Non mais tu te rends bien compte que ta plainte elle est ridicule. C'est un endroit où on vend de l'alcool, donc il est autorisé de boire de l'alcool. Donc qui dit boire de l'alcool dit forcément que les gens sont éméchés. Donc le fait qu'on t'ait confondu avec une des serveuses, une des hôtesses de lamb dance ou une des péripéticiennes qui viennent arrondir leur fin de mois dans ce lieu est des plus légitimes. Le doute est raisonnable. Donc en fait, ta plainte, tu vas te la prendre dans le cul, mais façon king size. Donc écoute-moi bien, ma coquine, que je te retrouve pas sur mon chemin parce que sinon je vais te broyer. On est bien d'accord? Sur ce, tu peux y aller.